bidi bingambulisha nasha byambulisha kabidi ba mamu ba mumbushimayi me mabumu tedi wa bilamba nti mumu na bwasi bidi bingambulisha bwa mema kuikala mujika jila ni kwambulisha bakwabu mumatuku achikwafa. La mokuta a kusomba serviette à jeter, j'ai utilisé morceau de pain, soit une pain à chaque utilisé, j'ai bilamba, même à mon yang bilamba, tiens, une moussoule ou à quoi, trois couillons calas, soit une distance à tout, une chara moussomba pour nous. Ici au Kasaï oriental, la perception des masui, communément appelée REC, c'est un sujet tabou. Les filles d'ici utilisent les serviettes de trois types. Hein. Le premier type, c'est l'utilisation des serviettes hygiéniques à usage unique. Là, ça coûte très cher et tout le monde ne peut pas s'en procurer. Deuxième type, c'est l'utilisation des tampons qui sont fabriqués avec les moyens des bords. Là, ça laisse aussi à désirer. Il y a des traces qui restent dans les voies génitales qui causent des infections. Le troisième type, c'est l'utilisation du n'importe quoi par les jeunes filles. Tout ce qu'ils ramassent, les morceaux de tissu, les morceaux de matelas, et à la longue, ça cause des infections et des voies génitales. Pour aborder une thématique aussi sensible et tabou, on l'a vu, que les menstruations dans un contexte comme le Kasaï oriental, ici chez Enabel au Projet O, on a fait le choix d'une approche radicalement innovante. La production locale des serviettes, elle a pu être assurée grâce à l'implication d'un autre projet d'Enabel également, qui est le projet d'éducation, formation, emploi. Ce projet a permis également de garantir la durabilité de la production des serviettes, mais également la qualité qui est vraiment un critère essentiel.